Ce que t'es allé en Maroc. Mais c'est vrai, c'est les indigents. Moi de Tanger, mais d'origine perturbée. Et mon mari de Maroc. Quand vous allez au Maroc, vous allez près de la mer, c'est près du désert. Très chaud, mais t'es fait souci, c'est chaud. Je crois que le mari de la meilleure période, c'est qu'elle fait son affaire. Je crois que le mois de mai, juin, c'est la meilleure période. C'est comme au Jda. Au Jda, ça arrive à 40 degrés. Des fois. Ça fait bien. Il me fait peur. Tiens, chapeau, monsieur. Donc le livre de l'amour, on a vu l'amour, le désir ardent, hein. Après on a vu l'intimité de Dieu, ça c'est des niveaux, et le summum de l'amour dans cette qualité salutaire, c'est la satisfaction, ça c'est le summum, arriva. Alors, ça fait dans plusieurs pages, il parle des preuves pour dire que on peut souffrir et être satisfait de notre bien-aimé. On peut être dans la souffrance, malgré la souffrance, on peut être satisfait. C'est difficile à accepter, c'est un niveau très haut, c'est pour ça qu'il donne beaucoup des récits, d'accord, et des preuves. « Wadakhala jama'atu minan nasi al shibli, shibli, rahimahullah, fi maristana qad hubisa fih, wa qad jumi'a bayna yadayhi hijara, faqala man antum, faqala muhibbuka, yani muhibbuka. » فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فقال ما بالكم ادعيتم محبتي أنتم تحبوني وكذا ضربتكم هربتوا إن صدقتم فاصبروا على بلائي يعني هو علاقة بالله عز وجل يعني لو الإنسان حقيقة يحب الله يصبر على البلاء. Un groupe de gens était venu rendre visite à Chibli dans un hospice où il résidait. Hospice. C'est, en fait, le Maristan, c'est le voilà, c'est ça, si je voulais dire. C'est l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique. Oui, le Maristan, il y a le vrai nom. Oui. Excusez-moi, cher. Ah, Samahni, 193. J'ai pas trouvé de. L'arabie. Là. Non, en fait, c'est traduit de perse. Perse, ok. Tout ce qui est N, mais il est devenu, il est arabisé, donc il est devenu. Okay. Ouais. Mais maintenant, on ne l'utilise plus. On l'utilise moustache. Voilà, c'est possible. Le, ouais. Le voilà, ouais, c'est juste. 193. Oui, je sais, mais j'ai pas. En bas, Samahni. Tout en bas, à la fin. Ah oui. Un groupe de gens était venu rendre visite à Chibli dans un hôpital psychiatrique où il résidait, je sais pas pourquoi déjà. Allahu a'lam. Les gens, quand ils sont philosophiques, ils sont بيفكروا أكثر من الناس الثانية يعني ممكن في السياسة وفي
ما منصدقهمش نحطهم في الاماكن المجانين عشان الناس ما يتبعوهمش. ها وي كيخافوا يعني الناس هيك يحبوا يقطعوا المشان عشان كانوا عنده محبين. نعم كل هاد المحبين لو جاوا 10 يقدروا يزيدوا 30 يزيدوا 50 كيقطعوا الموفمون يعني. صح صح. Il se tenait là des cailloux dans les mains. À leur arrivée, il leur demanda : qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Des gens qui t'aimaient, répondirent-ils. Il s'avança alors vers eux et commença à leur jeter les cailloux. Comme ils s'enfuyaient, il leur cria : qu'avez-vous donc ? Si vous prétendez m'aimer, soyez patient quand je vous éprouve. Est-ce que vous avez compris la sagesse ici? Nous prétendons aimer Allah Azza wa Jal. Alors celui qui aime Allah, il doit accepter être éprouvé par Dieu. C'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ils avaient les cailloux dans les mains? Parce qu'il savait, lui, qu'ils vont venir. C'est un homme, attention, Chibli, ça c'est une station, hein. C'est un homme très 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 pieux. C'est une école hein, d'ascétisme, de spiritualité. C'est, je ne sais pas pourquoi déjà il est dans un hôpital psychiatrique. Il peut faire ça pour écraser son ego aussi. Hein. Ils font ça aussi souvent. Dans leur cheminement spirituel, ils préfèrent, voilà. Il y a des maîtres spirituels comme Ibn Ajib, il a mendié. Il était un imam, grand imam, dans une mosquée, mais il n'était pas satisfait de son niveau spirituel. Il a dit, je ne suis pas sincère, il y a quelque chose qui me manque, comme beaucoup de savants. Parce qu'il y a la science. Oui, il a, souvent les ulamas, comme Razel et comme Ibn Ajib, sont touchés par... sont voilés par leur science, en fait. Hein, je sais. Hein, d'accord. Alors, il a dit, je dois chercher comment purifier mon cœur. Il est allé vers un guide, et ce guide lui a dit, d'accord, alors pour commencer, tu dois aller devant la mosquée chaque vendredi, et mendies. Tu tends la main. Tu demandes aux gens de ta mosquée qui viennent fréquenter ta mosquée, de te donner de l'argent. Il a dit, c'était très dur pour moi. Des fois, je retire ma main, surtout, je cache mon visage. Donc ça, c'est pour casser l'ego. C'était des méthodes, peut-être. « Wa le shibli rahimallahu ta'ala, inna al-mahabbata lil-rahmani askarani » وهل رأيت محبا غير سكراني. Là, ça c'est très beau ce qu'il a dit. Chibli a également déclamé ces vers: l'amour du magnanime a enivré mon âme. Ah, mais est-il amant qui d'ardeur ne se pâme? Je sais pas ici la deuxième partie, j'ai pas compris. Magnanime, c'est le Rahman, le miséricordieux, en fait. Magnanime, c'est plutôt l'afou, c'est traduit par l'afou. Ah, est-il amant? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu qui n'est pas enivré? C'est une question, c'est un challenge. Voilà. C'est une. Comment on appelle ça? Une hyperbole par négation. Il pose la question pour dire que c'est comme si c'est de l'impossible. Oui. C'est une question, mais en fait, c'est une... Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui aime tellement Dieu, mais oui, qui n'est pas enivré par cet amour, en fait? Il n'y a pas la question affirmative. Rhétorique, oui, c'est rhétorique. Rhétorique, peut-être. Rhétorique, en arabe, taqriri. Taqriri. Donc, c'est pour dire, tous les... chaque amant doit être enivré. Enivré, donc il est ivre, il n'est pas là. Voilà. Donc si la personne est enivrée, hein, il ne ressent pas la souffrance.
il ne ressent pas les douleurs. Donc l'amour anesthésie, si je peux dire. Donc les vrais amants ne ressentent pas la souffrance, ne sentent pas la souffrance et les douleurs. On est d'accord. Une personne très connue au Maroc, j'ai oublié son nom. Il était considéré comme un fou, mais en fait, c'était un homme très sage. Et c'est vrai que son apparence n'était pas, on va dire, pour certaines personnes, n'était pas propre ni beau. Mais quand il s'assied, il était heureux, il récitait plein de sagesse, plein de versions du Coran. Et quand on le voit, cette personne, on voit en lui qu'il rayonnait, qu'il, malgré son apparence de fou, bien de. On appelle ça Mejadib. On dit Majdoub. Majdoub dans le sens de la raison, il n'a plus de la raison. Mais avant, je disais qu'il était fou, mais quand je le revois maintenant, je me le réimagine. Je dis au fait, peut-être qu'il est plus heureux que nous tous. Oui. Mais c'est comme Darawish aussi. Darawish, oui. Oui, Darawish aussi. Darawish. Mais aussi, ça c'est dans le cas religieux, mais après, les gens aussi, quand on dit qu'ils sont Majdoub, c'est fou, non? Parfois, ça n'a rien à voir avec la religion. Les gens, ils sont juste faux. Quand on dit Majdoub, ça ne veut pas dire juste faux. Majdoub, c'est le fou. Oui, c'est le fou dans tous les. Mais après, pourquoi il est fou? C'est ça. Ouais. C'est ça. Quand il y a des gens, ils sont fous. Ça ne dépend pas quelle raison. وقال بعض عباد الشام كلكم يلقى الله تعالى مصدقا ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشير بها ولو كان بها شلل ظل يواريها يعني بذلك أن الذهب مذموم عند الله والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكفون عنه. C'est très beau. Donc, un dévot de la religion de Shem, de la région de Shem, avait dit, vous rencontrerez tous le Très-Haut en professant la foi en lui, mais il se peut que vous ne prêtez pourtant pas foi en sa parole. Donc, vous êtes à la fois, je m'excuse, sincère et menteur, si je peux dire. Mais il se peut que vous prêtez pourtant parfois en sa parole. Parce que si l'un de vous avait un doigt en or, juste imaginez, un doigt, il ne cesserait de le montrer, tandis que s'il était touché de paralysie dans le doigt, il le garderait bien caché. Il voulait dire que l'or est méprisable aux yeux de Dieu. On sait que l'or, pour les hommes, c'est haram. Et pourtant, les hommes se traguent de le posséder. Tandis que l'épreuve est la parure des gens de l'au-delà. Donc, vous voyez les règles. L'épreuve est un bienfait selon le regard des gens de l'au-delà. Selon les gens de d'ici-bas, l'épreuve, miskin, on dit. C'est les malheureux. Maqloub. Et pourtant, les hommes le dédaignent. Wa qila innahu waqa'a al-hariqu fi souq, fa qila lis-sari, sari saqti, c'est aussi une sommité. Ihtaraqa souq. وما احترق دكانك قال الحمد لله ثم قال كيف قلت الحمد لله ثم قال كيف قلت الحمد لله على سلامة دون المسلمين فتاب من التجارة وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفارا من قوله الحمد لله قال الحمد لله هذه ذنب لأنها ليس في محلها يعني شمت في المسلمين هم خطيب ما اقصدش يعني لكن هم كان ما زمان كان نقول الحمد لله انه لي ماغازان زون اون بروي مي الناس لساتهم عايشين اي يعني هو ممكن الحمد لله صديق ومام الحمد لله على الحريق من الناس بسلامه يعني نعم عشان
يعني احنا كانسان ما خصناش نتمسكوا بالماتيريال. نعم. مش انا بظن العقاب العقاب كان صارم معه. نعم هو شدد على نفسه قال نعم. On raconte qu'un incendie avait dévasté le marché et qu'on était venu voir As-Sari pour lui annoncer. Le marché a pris feu, mais ta boutique a été épargnée. Il répliqua, louange à Dieu. Ça c'est bien. Louange à Dieu. Comment? S'étonna son interlocuteur. Alors, en réalité, c'est pas comme ça. Lui-même, c'est après, il est revenu. Il a dit, comment je dis Alhamdulillah? Tu loues Dieu en pensant à ton propre intérêt et tu ne penses pas à celui de tes frères? Tu as oublié que les boutiques de tes frères sont brûlées? Comment tu dis Alhamdulillah? As-Sari, par repentance, pour repentir, renonça au commerce. Il abandonna sa boutique pour toujours. Et passa le reste de sa vie à s'amender et à demander pardon pour avoir dit Alhamdoulilah. En fait, il a pensé à son propre intérêt. Ouais. Et on le fait souvent. Alhamdoulilah, ou le dianaka. Alhamdoulilah, moi j'ai Alhamdoulilah. Moi, et je me compare aux musulmans, des fois, à mon voisin. Ou... Mais ça, c'est. Oui, il a vu, c'est vrai, donc le bienfait sur lui-même. Ça c'est bien, alhamdoulilah, il était épargné. Mais les autres, après il a dit, et les autres? Voilà. فإذا تم نعم يعني مرات حنايا كما حنا عايشين هنايا في سويسرا يعني هنا on a نعمه on a الحمد لله on a beaucoup de choses mais parfois quand on voit des gens par exemple en Afrique et tout on dit quand même الحمد لله est-ce que c'est mal pour Sari Sakti c'est mal pour nous non d'accord parce que vraiment c'est ce que j'allais dire parce que voilà. Peut-être ça vous dit qu'elle a pas brûlé parce que Dieu voilà il faut dire الحمد لله Voilà, ça reste oui, pour nous, on doit dire Alhamdulillah et on essaye de le dire. Oui, non, on l'oublie déjà. Placer ça dans le contexte. Parce que oui, bien sûr. Non, mais là, la barre, elle est très haute. Hein. Ah oui. C'est juste pour comprendre. Ah, c'est un niveau très, très haut. C'est des pieux. C'est des pieux. C'est le niveau là. Ça, parce que je pense que ça dépend aussi du niveau d'attachement de la personne. Oui. Okay. On voit aussi quand on est très matériel, des fois on se préoccupe plus du matériel que de l'être humain en soi-même. Oui, oui. Et ça, c'est très dangereux au fait, parce qu'on sera attaché à l'amour du matériel et on oublie l'amour qui est éternel. Mais ces récits peuvent nous élever aussi, oui, bien sûr, à des degrés plus hauts. فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت قطعا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا. Ça c'est l'objectif de tous ces récits. Si tu considères ces histoires, il t'apparaîtra qu'il n'est impossible d'agréer des faits contrevenant au désir individuel. Il manque quelque chose ici. Si tu considères ces histoires, il t'apparaîtra qu'il n'est pas impossible, ah oui, d'agréer des faits contrevenant au désir individuel. Est-ce que vous voyez? Non? Alors, il a dit tous ces récits, ben, on en a vu beaucoup, prouvent que tu peux agréer ou bien être satisfait malgré la souffrance, malgré des choses qui. Des faits contrevenant à ton propre intérêt. Moi, je veux être en bonne santé, mais je suis malade. Je peux être, malgré cette maladie, satisfait d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas impossible, il a dit. C'est possible. Ça existe. D'être malade, mais se sentir bien, c'est ça?
et être satisfait de la maladie. Être plus heureux que quelqu'un qui est en bonne santé. Oui. Subhanallah, c'est vrai. Ça existe. Oui, oui. Être pauvre, malgré cette pauvreté, bien sûr, on doit essayer, de faire, on doit travailler et tout. Mais des fois, subhanallah, je ne trouve pas de travail. Je suis au chômage, je ne trouve pas de chômage. Malgré ça, que je suis malheureux, non? Non, je peux être satisfait de Dieu, malgré ça. Il a dit, c'est possible.